Alors, qu'est-ce qu'il a, mon four? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Oh, attention, Hercule, il est fragile. Arrête de t'inquiéter, Baragouin. Tu oublies que je suis sauveteur d'élite. Je peux sauver les gens et les fours. Ça va de soi. Et puis, tu trouves le problème? Tu vas pouvoir sauver mon four? Hein? 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 Laisse-moi travailler, Baragouin. D'accord, mes amis, attention. Et 3, 4. Oh, je vois que tu as fini de réparer la guitare. Jouais. Oui, t'as vu, j'ai réparé le manche. On dirait même pas qu'il était brisé. Et j'ai tout repeint minutieusement. Regarde, on dirait une neuve. Oui. Et j'ai changé les cordes aussi. Et je l'ai accordé, écoute. Très bien. Et nous, les cow-boys, on connaît ça, les guitares. N'est-ce pas, mes amis cow-boys amateurs de bonne musique? Ouais. On t'aime, Jingo! T'es le meilleur, Jingo! Qui tu parles comme ça? À mes amis cow-boys amateurs de bonne musique, mes fans imaginaires! Ah bon? Une autre de vos étranges habitudes terriennes, j'imagine. Ouais, en tout cas, t'as vu le résultat? Cette guitare jouait, plus neuve que neuve! Parfait, très beau travail! Maintenant, on va pouvoir la retourner! C'est que je me demandais si je pouvais la garder encore un peu. Tu sais qu'on retourne les jouets aussitôt qu'ils sont réparés. Oui, mais j'aime tellement ça, jouer de la guitare. S'il te plaît, Vegan. Vegan, je t'en supplie, dis oui. C'est juste pour aujourd'hui. Oh, Vegan, je t'en supplie, dis. Je ne sais pas, Jingo. Au secours! Oh, on a besoin de mon aide. Je retournerai la guitare en fin de journée. On va bien s'amuser, toi et moi. Qu'est-ce qui se passe? Le four de Baragouin n'est plus utilisable. Le fil a été rongé, on ne peut plus le brancher. Mon four! Ça devait bien arriver un jour ou l'autre, Baragouin. Oh! Il doit bien y avoir quelque chose à faire, voyons. Après tout, ce n'est qu'un simple four terrestre. Je l'ai réparé des dizaines de fois, mais là, c'est vraiment la fin. Il n'y a pas de fil de remplacement disponible. Pleure pas comme ça, Baragouin. Faites quelque chose. Oh, merci. Mon four, c'est mon meilleur ami. Comment je vais pouvoir faire cuire mon bon macaroni gratiné au pétrage sans lui? C'est la fin du monde! Tu pourras toujours faire des sandwichs ou même utiliser ta cuisinière. Mais c'est mon macaroni que je veux faire cuire, moi. Un vrai cuisinier a toujours un four qui fonctionne, moi. Bon, ne t'inquiète pas, Baragouin. Je vais te le réparer, moi. Tu vas faire ça pour moi, Vegan? Mais tu donnes de faux espoirs à Baragouin. Il n'a rien à faire avec un fil comme ça. Effectivement. C'est pour cette raison que je vais trouver une autre solution. Une bonne crêpe aux escargots de mer. Parbleu, où sont les escargots? Tiens. Oh, en voilà des bien dodus. Nom d'un escargot volant. Tout ça, c'est la faute de ce filou de malheur qui n'est pas là pour me faire à manger. Oh, c'est quoi ça? C'est une pile spéciale qui peut contenir une grande quantité d'énergie solaire. C'est ça qui va faire fonctionner mon four? Exactement. Il fonctionnera comme un œuf.
Parole de super-héros. Oh, patate pilée, tu fais des miracles, Vegan. Tu as raison, Baragouin. Je suis génial. Et c'est pas exactement ça que je vais dire. On va déposer ce capteur solaire sur ton casse-croûte pour qu'il attrape tous les rayons de soleil et qu'il les emmagasine dans cette pile puissante. Oh, c'est un peu compliqué pour moi, tes trucs solaires, machin. Je sais que les rayons de soleil, c'est chaud, mais pour le reste... T'inquiète pas, Baragouin. L'important, c'est que tu comprennes qu'avec ça, ton four fonctionnera pour toujours. Mais tu dois attendre que la pile soit chargée à sa pleine capacité pour faire cuire ton macaroni. Oh, et ça va prendre combien de temps? Bon, je ne sais pas exactement, mais pour la première charge, au moins quelques jours. Quelques jours? Mais là, je peux pas attendre aussi longtemps pour faire cuire mon macaroni. Je suis désolée, Baragouin, mais... je ne peux pas forcer les rayons du soleil à charger la pile plus rapidement. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire cuire mon macaroni au soleil pour qu'il soit prêt plus vite. Les rayons ne seront pas assez chauds. Et il faudrait que tu places ton macaroni très près du soleil pour que ça fonctionne. Oui, alors vas-y, toi, apporte-le près du soleil. Mais je ne peux pas voler avec ce gros plat plein de macaroni, voyons. Tu m'as donné une idée, Baragouin. Hé, hey, le monstre, j'ai faim. Fais-moi de bonnes grosses crêpes aux escargots de mer. J'ai un problème à régler avant. Ouais, mais j'ai faim, moi. Je serais même prêt à manger ça. Pas de touche à mon macaroni. De toute façon, il est même pas cuit. Et puis, le coffre-pot est fermé, mon four est brisé. Qui va me nourrir? Tu veux vraiment qu'on forme un groupe de musique, toi et moi? Oui. On pourrait s'appeler les Salmigondiens. On va d'abord te faire passer une audition pour savoir quel rôle tu vas jouer dans notre groupe. Une audition? Oui, tiens, place-toi ici. Et chante-moi un petit quelque chose. Tiens, je te donne la note de départ. Do. 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 Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. En fait, je serai le chanteur et toi, tu seras musicien. Quoi? Tu trouves que je chante mal? De quel instrument tu sais jouer, Hercule? Ben, tu peux claquer des doigts. Ah, c'est pas grave, on va trouver autre chose. Oh, voilà pour toi. C'est quoi ça? C'est un triangle. Et ça joue comment? C'est plus simple que simple. Même ma pétunia savait jouer du triangle. Oh, oh cowboy, je t'en supplie, fais-moi à manger. Je vais mourir de faim. Je n'ai rien avalé depuis hier. Je sens mes côtes à travers mes vêtements. Fuseby, je veux bien t'aider, mais c'est Baragouin le cuisinier. Moi, je suis juste un chanteur western. 10-07, intervention nécessaire. Un homme affamé. Oh, tiens, pirate. Je t'offre ma réserve en cas d'urgence. On dirait de la nourriture de poisson rouge. C'est nul. Nul. Tu sauras que c'est de la nourriture déshydratée pour les grandes randonnées. Un aliment de survie extrêmement efficace. Oh, parbleu, laisse tomber. Et donne-moi de la bouillasse la mer ou encore une croquette de crabe. Je suis affamé. Si tu étais si affamé, tu serais bien content d'avoir ce petit en cas d'urgence. Matt, je vais t'aider, moi. Oh. Je savais que je pouvais compter sur toi, cowboy. À une condition, tu te joins au Salmigondien. Dans une crevette en jupette, c'est quoi ça? Tu veux vraiment qu'un pirate se joigne à notre groupe musical sans savoir s'il a du talent? T'as bien raison, Hercule. C'est pour ça qu'on va lui faire passer une audition à lui aussi. Une audition? Bande de têtards! Vous doutez de mon talent? Non, on doute pas, on veut juste t'entendre. Qu'est-ce que je ferais pas pour me remplir la panse? Je vais m'approcher le plus près que je peux du soleil pour capter un concentré de rayons avec le capteur. L'énergie va s'emmagasiner dans cette clé de mémoire et ensuite je vais revenir tout transférer dans la pile superpuissante. Je suis pas trop dangereux, hein, Vegan? Une super-héroïne est prête à affronter tous les dangers, si c'est nécessaire. Oh, tu vas vraiment faire ça pour moi? Tu es mon idole.
bon. C'est pas ça, mais... Non. De toute façon, votre groupe musical, il est nul. Nul. Oh, attends ici que je t'attrape. Oh, Hercule. Viens. C'était pas évident. Mais j'ai pu capter beaucoup d'énergie. La pile est déjà à moitié remplie. Je vais pouvoir faire cuire mon macaroni. Pas encore. La jauge doit indiquer que la pile est pleine. Encore un voyage et ça devrait être bon. Par la lumière de Vega. Super Vega. Envole-toi. Vas-y, Vegan, tu es la meilleure. Tu joues plus, Jingo? Ça marche pas. On n'est pas un vrai groupe. Un vrai groupe, ça joue de plus d'instruments que ça. Tu veux que j'appelle du renfort? Attends, je crois que j'ai une super idée de génie. Mais c'est quoi ton idée au juste? Regarde bien ça. Je vais prendre les grelots, comme ça. Écoute ça. Mais non, donne-moi des maracas. Maracas? Incroyable! Mais non, mets l'harmonica dans ma bouche. L'harmonica. Tu fais quoi? Je comprends pas. Je peux pas chanter et jouer de l'harmonica en même temps, c'est impossible. Même pour un cow-boy de ma trempe. Je ne savais pas que c'était si compliqué de former un groupe musical. Oh, je sais. Comme tu chantes pas, c'est toi qui vas jouer de tous les instruments. Sauf la guitare, bien entendu. Mais j'ai déjà du mal à jouer d'un seul instrument à la fois. Un peu d'ambition, Hercule, je te reconnais pas. Tiens. Je te donne le rythme. Attention. 3, 4. Ah, catastrophe, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas un groupe de musique, ça. C'est une cacophonie. Oh, je sais. Je vais reprendre les grelots, hein. Oh non. Hé, 09, secours engagé. Non. Tiens, la vie de musicien, c'est beaucoup plus dangereux que je pensais. Et moi, je suis meilleur pour sauver la vie des gens que pour jouer de deux instruments à la fois. Non, oh, attends. Je crois que j'ai une autre super idée de génie. Et voilà. Avec ça, on devrait pouvoir remplir la pile. Et faire cuire mon macaroni. Où t'as mis la pile, Baragouin? J'ai pas touché. Non, elle a disparu. Tout est fini. Mon four sera jamais réparé. Voyons, Baragouin. Rien ne disparaît jamais tout seul à Salmigondi. Je veux ma pile. C'est un coup de maths. J'en suis sûr. Un lingot d'or. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai toujours mon petit creux. Et pour un tel trésor, je suis prêt à jeûner. J'espère que c'est de l'or bien pu. Cet or est si pur qu'il donne des chocs. Un bouchon sur mon lingot d'or. Cet or est si pur qu'il m'éblouit. Oh, il me donne des chaleurs aussi. Je vais te griller les fesses, le pirate. Méchant pirate voleur. Où l'as-tu caché? Quoi donc? Tu le sais très bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es rouge comme une tomate. T'as attrapé un coup de soleil? À moins qu'il ait ouvert la pile et qu'il se soit fait irradier. Qu'est-ce qu'il y a à mon visage, parbleu? Ah!
Allez, redonne-la-moi. Jamais de la vie. Tu préfères que je te grille les fesses avec mes rayons? Jamais! Je ne vous donnerai mon or. Mais c'est pas de l'or que tu nous as volé. C'est une pile solaire super puissante. Ça? Une pile? Nom d'une anguille électrique. À cause de toi, je vais devoir encore recharger la pipe. Ça te fait mal? Ah! Un pilote n'a jamais mal, tu sauras. Ça doit chauffer quand même. Bon. Ah! Un peu, oui. Viens, on va aller demander à Hercule si tu vas rester comme ça pour toujours. Quoi? Ça pourrait être possible. T'aimes pas ton nouveau visage? J'aimais mieux l'ancien. Et avec tout ça, j'ai encore plus faim que faim. J'ai très faim. Hein? Ce masque fraîcheur te fera du bien. T'es bizarre avec ça sur le visage. Oh, laisse-moi tranquille. Ça me chauffe encore. Ton masque, il est nul. Les premiers soins, c'est efficace, mais pas magique. Il faut laisser agir. Mais c'est long. Normal. C'est le plus gros coup de soleil que je n'ai jamais vu de ma vie. Ça suffit. Mon visage n'est pas un spectacle. Dis donc, la grande collant, il est bientôt réparé. Il faut que je puisse me remplir la panse. Personne n'entend quand je dis que j'ai faim, moi. Personne. Justement, je viens de tout installer. Ton four devrait fonctionner comme un œuf à présent. Vegan et moi, en forme sacrée duo. Hé, hey, oh! C'est moi qui forme un duo avec Vegan. C'est moi qui l'ai aidé, tu sauras. Hé, hey, oh! Hé, hey, oh! Tu ne peux pas dire le contraire, Hercule. Bon. Bah. En forme, t'as platé le poilu, que je puisse m'en piffrer. Hey. Hercule! C'est l'heure de la grande répétition! J'arrive, Jingo! C'est fou comme personne ne peut se passer de moi, c'est le migandier. Oh, attends, Vegan! C'est un cadeau pour te remercier d'avoir sauvé mon four. Oh, du macaroni. Mais tu sais bien que je ne mange pas. Hein? Je sais, mais ça t'empêche pas d'en porter. Hein? C'est un bijou que j'ai fabriqué moi-même. Oh! Oh! Comet, je ne m'attendais pas à ça. Merci. C'est gentil. Merci. C'est gentil. Il va être prêt quand ton plat de pâtes? J'ai faim, moi. Ben, viens m'aider à faire la vaisselle. Ça va t'aider à patienter. Oh, qu'est-ce que je ferais pas pour me remplir la panse? Oyez, oyez! Venez assister au spectacle des seuls migondiens, le super groupe musical de l'heure. C'est bon, viens me rejoindre. Il faut être prêt quand les autres vont arriver. Tout de suite après le spectacle, tout le monde est invité à goûter à mon succulent macaroni. Yippie! Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement étrange? Je suis tous les musiciens à moi tout seul. Oh, ça promet. Attention, le spectacle va... commencez! À cheval sur ma monture, bien paré pour l'aventure. Au petit trot ou au galop, qu'il pleuve ou bien qu'il fasse beau. Écoutez à l'horizon, vous entendrez ma chanson. Hi-ha! Hi-ha-ha! Hi-hi-hi-ha! Hi-ha! À cheval sur la colline, c'est bien mieux qu'en limousine. Parcours les villes et les mines, pour trouver un domicile. Puis un cowboy solitaire, pour les gens, je suis un mystère. Hi-ha, hi-ha-ha, hi-hi-hi-ha, hi-ha. Attention, Hercule, solo. Oh!
mais c'était quand même très bon. Patate pilée, mon macaroni. Tu pleures pas? Non. Tu veux que je rattrape le pirate? Non, oh, laisse-le. Il a eu faim toute la journée. Je vais vous cuisiner un autre macaroni avec mon super four réparé. Bonne idée. Être un homme orchestre, ça donne faim. Et chanter aussi. C'est parce qu'il me reste presque plus de macaroni. Tu oublies ceci. Adieu, petite guitare. Tu joues très bien. J'espère que tu vas faire le bonheur d'un futur cow-boy. Tu es prêt? Hi-ha. Ce jouet s'en va dans une maison entourée d'arbres et d'oiseaux, chez un enfant dont le prénom commence par la lettre O. Oh, Fuse B, elle va être bien là-bas. Au revoir. Prends-toi bien. Elle va me manquer, cette petite guitare. Oh, regardez. Mon nouveau macaroni au collier de macaroni est prêt. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est chaud, mais c'est bon. Dommage que tu ne puisses pas y goûter, vegan. C'est pas grave, j'ai autre chose pour vegan. Ah, oui? Il ne me reste plus de macaroni, mais il me restait des céréales pour te faire un beau collier. Oh, merci, Baragouin. Il est vraiment beau. Je vais le garder précieusement. Hé, les gars! Vous m'attendez pour le macaroni? Oui, mais que belle poêle, on ne sera plus bientôt! On a faim!